Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite avec Fofana. Aujourd'hui, demi-finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Match aller, match retour. On espère aller en finale contre Tottenham, qui est notre bête noire sur le jeu. Peu importe la carrière, c'est vraiment le club auquel on galère le plus. Donc voilà, j'espère que ça sera Tottenham. Comme ça nous donnera sûrement une belle finale. Et pas comme avec Fares, d'ailleurs, auquel nous avons terminé la saison et auquel vous avez. On a joué la finale du coup contre l'Olympique Lyonnais. C'était une finale de Ligue des Champions 100% club français. Voilà, et c'était une finale. Ça n'a pas été la plus belle finale que j'ai pu jouer en carrière joueur, mais voilà. On a joué du coup cette fin de saison avec Fares, auquel vous aurez bientôt des nouvelles concernant la nouvelle saison, etc. Je suis actuellement en train d'étudier un petit peu les offres. Voilà un petit peu notre problème du côté de la Juventus, c'est que voilà, on est pas mal fatigué. Mais avant ça, on va revenir en arrière parce que faut que je vous montre que du coup, ça a eu un impact tous ces matchs auxquels mes joueurs n'étaient pas forcément à 100% parce que au niveau de la Serie A, c'est revenu et maintenant on n'est plus forcément à l'abri puisque l'Inter ils sont deuxième, ils sont à 3 points, donc la fin de saison risque d'être tendue. Donc attention. Attention, et vous retrouverez également bientôt, très très rapidement, Laïna Fares, sœur de Youssef Fares, la Marocaine, qui va faire ses débuts dans le monde professionnel avec la Women Summer Cup. Donc je vous explique vite fait un petit peu le format. C'est comme la Champions League, sauf que les matchs de groupe se jouent seulement en un match. Et que après ensuite pour les quarts, les demi, hein, tout se jouera en match aller, match retour. Et en espérant que sur eSport FC qu'on puisse faire pourquoi pas une carrière joueuse. Comme ça on pourra retrouver Laïna Fares. Sinon je pense qu'on arrivera sûrement à trouver une alternative. Le ballon pour Renan Lodi. Et la bonne intervention. Dommage. Pour couper net cette offensive. Konaté, qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Allez. Le bloc progresse bien avec pas mal d'options. Renan Lodi reçoit le ballon. Boum. Let's go. Allez, 1-0. 35e minute. Oh, dommage. Jamal Musiala reçoit le ballon. Oui, joli réflexe. Allez, on est comme à niveau endurance. On a dû récupérer un peu, je pense. On a dû récupérer un peu d'endurance. Oh, pas grand chose. Hein. 60%, je pense qu'on doit être là. Et d'ailleurs, il n'y a pas de Mbappé titulaire du côté du PSG là. On a hâte de voir la suite. Mais où est Mbappé? Il est passé. Il est mis sur le banc. Il peut sûrement être sur le banc, je pense. Maintenant que j'y repense. Bellingham à la réception. Ouais, bien joué, bien défendu dans la surface. Il y a un contre à jouer. Oh là là, au niveau de la vitesse. Je vais tellement vite, bordel. Oh, il revient bien là. Dommage. Oh, bien joué. Boum, 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 faut frapper les frérots. 75e minute, toujours 1-0. Attention. On encaisse toujours un but. Ouais, ouais. Et voilà. Et voilà, je vous l'ai dit, on encaisse toujours un but. Celle qui arrive de la maison, fallait s'en douter. Incroyable, hein. C'est incroyable quand même. Hein. Sur que pratiquement tous nos matchs, il y a toujours un but. On leur laisse toujours marquer un but. C'est un délire. Les 5 dernières minutes. Le match, il est en train de tourner pour le Paris Saint-Germain. Là, j'ai l'impression qu'on n'y est plus du tout dans cette fin de match. Est-ce que c'est dû à la fatigue? Sûrement. Toujours en possession du ballon. Ouais, ah, peut-être une dernière occasion. Au-dessus. Oh. Ouais, le déboulé dans la défense. Ils vont vite, ils vont vite, ils vont vite. Si je la donne derrière, oui. Oh non, il a voulu frapper en force. Oh non, il a voulu. Oh, dommage.
Bon. Et bah, il y aura du suspense pour le match retour. Maintenant, il faut gagner en match, faut gagner le match de championnat. Et avec quelle endurance? Avec quelle endurance? Avec quel joueur? Oh, j'ai hâte de voir la feuille de match. Ça va être une catastrophe. Et ouais, on n'est pas à 100%. J'espère vraiment que ça va pas nous coûter 3 points, ça. Hein. Allez, on est meilleur buteur avec 35 buts cette saison avec Fofana. Le ballon d'or, on le dit, faut qu'on le dise souvent parce que bon, faut qu'on en profite. Faut qu'on en profite. On est le ballon d'or cette saison, donc c'est bien de le répéter assez souvent. Allez, on est parti. Le scénario parfait, c'est, ça serait de mettre 2-0 à la mi-temps. On sort, on fait confiance à l'équipe. Même si j'ai déjà fait ça, ça nous a coûté une victoire. Ballon perdu par la Juventus. La plus mauvaise défense. C'est la plus mauvaise défense. Attention. Match disputé, 34 buts encaissés, 64. Normalement, ça devrait le faire. Hop, un petit coup d'accélération sur les côtés. Oh, ça va passer. Non, ça, pourquoi ça passe, mais vite fait. Oui, derrière, Roden. Ok. Tire contre le côté. Ça joue sur Moussiala. Et encore une autre intervention de sa part. Alors, c'est peut-être également nos derniers matchs en Europe hein, avec Fofana. Hein. Peut-être nos derniers matchs en Europe avec Fofana. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai accompli ce que je voulais avec Fofana. Si en plus derrière là on gagne de nouveau la Champions League, on aura fait le doublé en Ligue des Champions. Donc ensuite, soit un retour à Marseille, ce qui s'annonce très compliqué, ou soit aller en MLS en vrai de vrai. Mais pour ça, il faut avoir les offres également. Donc il va falloir que je baisse mon général et tout. Et ensuite espérer avoir des offres. Attention la frappe. Pas mal le dribble. Ah, il faut prendre sa chance maintenant. Bien joué Konaté. Sur le côté, les Bianconeri ont de l'espace. Alors là, il faut essayer de trouver. Pour Dusan Vlahovic. Oh. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique la petite remise. Allez, 1-0, 36e minute. Oh, il fait du bien, il fait du bien. J'avais zappé qu'il nous fallait absolument les 3 points. Et oui, il fait du bien ce but-là. Oh, magnifique. Là, regardez, pam. La petite remise, hop. Là, on passe entre les deux défenseurs. Oh, magnifique. L'Inter qui fait 0-0 à la mi-temps. C'est bon pour nous, ça. C'est bon pour nous. Si en plus l'Inter se rate, c'est parfait. Mais bon, on n'oublie pas. Hein. On n'oublie pas qu'on encaisse tout le temps un but. Donc on a intérêt à mettre le deuxième but. Oh, ça va sortir ça, non? Non. Donc faudrait peut-être mieux qu'on mette le deuxième but. Si on veut vraiment être à l'abri. Regardez. Et bah le voici. Le voici. Le but qu'on encaisse. C'est incroyable. Je pourrais pas expliquer pourquoi. Pourquoi c'est tout le temps comme ça. Derrière. Et le tir. Et c'est dedans. Let's go. Let's go. J'ai pris le temps. Hein. J'ai pris le temps de bien me positionner avant de la rouler. La frappe en force, c'est la garantie de surprendre le gardien. Let's go. Là, on laisse 3 avancer. Oui, le tir. Oh là 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 là. Ouais, non, ça s'arrête là. Faut mettre ce troisième. Faut mettre ce troisième. Allez, Fofana. Bien placé pour une frappe, peut-être. Let's go. Oui, le but. Splendide. On va demander le changement. On sort là-dessus. Normalement, on devrait pas se faire rattraper au score. En plus, c'est pas n'importe qui me remplace. Parfait. Hop, 3-1. Et on est resté sur le score de 3-1. L'Inter qui fait match nul. Let's go. Et là, du coup, eh oui, on reprend un petit peu d'avance. Et ça, c'est plutôt cool. Bon,
Ça n'a pas trop changé, hein, les deux premières places pour le coup. Par contre, l'AS Roma qui peut jouer la troisième place. Le Milan AC, hein, qui peut encore jouer aussi la cinquième place. Ok, et du coup, en Ligue des Champions, ils ont fait quoi, Tottenham? Ouh là là, ok, donc match nul des deux côtés. Bon, niveau endurance, on est bien. On est bien, on n'est pas à 100%. Retour de Mbappé du côté du PSG, ça c'est la mauvaise nouvelle pour nous. Allez, let's go. Ils ont pas eu énormément de tirs, hein, le PSG au match aller, donc on espère la même chose. Je vais dire ça, ils vont frapper une fois et ils vont mettre dedans. Oh là là, non. Ah ouais, mais Mbappé il est là. Hein. Mbappé il est là malheureusement. Et ça fait très très mal. Il nous fait mal d'entrée. Oh, ça sent pas bon cette histoire. Oh, ça sent pas très bon. Enfin, quoi que non. Non, non, c'est rien. C'est le petit but. C'est le tarif de la maison. C'est vrai. On encaisse tout le temps un petit but. Oh, il y a beaucoup de monde. Et encore une frappe contrée. Il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Oh là 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 là, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Mais efficace, super intervention. Ok. Au-dessus. Non, fallait en l'air au-dessus, dommage. Oh, ça va d'un camp à l'autre. Hein. Ok, les interceptions. Voilà, ça blesse des joueurs, c'est ça qu'on veut. L'agressivité. Ouais, voilà. Bon, il aurait fallu blesser Mbappé, mais bon. Mbappé. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Allez, il faut monter sur Mbappé. Oh là là, mais il ne veut pas monter sur lui. Hein. La passe vers Moukielé. Et c'est pour Bellingham. Oh. Bellingham. Non mais s'il vous plaît Paris, laissez-moi faire un doublé en Ligue des Champions. Oh, ça sent pas bon du tout. Là j'ai demandé un ballon comme un con. Il y a sur la trajectoire, il y a Mbappé. Allez, on continue. Faut qu'on mette la pression là, non-stop. Let's go! Oh, c'est magnifique! Allez, réduction du score. On en est encore loin, mais. Allez, hein. Et pourquoi pas une occasion à venir là? Allez, pas de faute, hein. Pas de faute, par contre. La passe vers Moukielé. Oh, les frappes qu'ils mettent. Non, mais ils sont déconnés. Sous la barre comme ça, là. Bam! Ah non, premier poteau. Je pensais que c'était sous la barre, mais absolument pas. Elle est forte, hein. Elle est puissante. Hein. Bon, pour le coup, là, ça sent vraiment pas bon. Alors, à l'affiche des matchs à venir, nous aurons rendez-vous avec la Serie A. La Juventus affrontera Cagliari. Oh là là. Oh, le truc qui a failli nous faire mal. Bon, on notera de toute façon que si on perd ce match, on pourra se dire que de toute façon déjà, on a été en demi-finale, mais ça a été quand même très très compliqué. Hein. Il a fallu compter sur un gros Fofana, donc j'ai envie de dire, ça ne sera pas forcément une surprise si on se fait éliminer en demi pour le coup. Parce qu'on est quand même passé avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est pour ça, si vous n'avez pas forcément vu l'épisode précédent, je vous invite à aller le voir parce que vraiment on est passé avec beaucoup de chance et avec un gros Fofana et une grosse remontada. Ok, Mbappé, super. Ouais, le temps, qu'est-ce qui se passe en défense? Le temps s'écoule. Le temps s'écoule, on redonne le ballon à Kylian Mbappé. On n'a pas besoin de ça, les frérots. Et ça sent de moins en moins bon. Par contre, on a intérêt à gagner le championnat. Bon, pour l'instant, c'est bien parti. Mais... Oh, moi, je me loupe dans les passes, putain. Ah, rip. Ça sent la fin pour nous en Ligue des Champions. Il nous restera plus que le championnat et la finale de Coupe d'Italie, hein, qu'on jouera contre le Milan AC.
Donc on peut quand même faire un doublé et gagner encore des trophées. Malheureusement, le doublé en Ligue des Champions, c'était un peu trop dur, mais peut-être qu'on peut aller chercher des prolongations, j'en sais rien. Regardez, la difficulté, ce n'est pas la technique quand on est si près. Le plus difficile, c'est le timing. Alors peut-être. Est-ce qu'on a encore su une remontada? Il y a moyen. Il n'y a pas eu de changement. Putain, j'aurais bien voulu qu'il fasse rentrer un petit Memphis là. Un petit Memphis là, ça m'aurait pas déplu en vrai. J'ai l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de changements. Il y a Paris qui commence à garder pas mal le ballon. Ah non. Allez. Quelle intervention. Okay. Absolument. Ouais, la pression et le ballon est bien protégé. C'est un ballon qui est récupéré. Allez, avec Fofana. Une bonne protection dans le camp adverse. Allez, boum. Allez. Oh, mais non. Non, les gars, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non. Allez, pressez. Ah, dommage. Si, on va peut-être rester. On va peut-être avoir encore une dernière occasion. Il prend le meilleur sur son vis-à-vis. Allez, devant le but, il faut frapper. Oh, allez, le ballon repoussé dans le Non, quel... Comment c'est possible? Bougez pas. L'équipe essaye un corner à deux. Il revient fixé à l'intérieur. Ah, j'ai tenté. J'ai voulu tenter la frappe enroulée. Le gardien était monté en plus. Ah, dommage. Défaite 3-2. Encore une fois, hein. On aura tout donné du coup pour le coup, là pas de regret. Mais il nous manque ce. Le problème c'est que déjà on encaisse tout le temps un but. Déjà ça nous pénalise. Ça nous pénalise d'entrée, on encaisse tout le temps un but. Et du coup c'est Manchester City en finale, ça sera même pas Tottenham du coup. Manchester City, Paris Saint-Germain. Du coup, bah nous on se retrouvera pour la finale de Coupe d'Italie. Évidemment, dans le prochain épisode. Et puis pour les deux derniers matchs, oh là 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 là, le Napoli et le Milan, c'est... Voilà, moi je vais jouer ce petit match-là en espérant que je vais le gagner. Et puis comme ça, nous on se retrouve pour les trois matchs, les trois derniers matchs de la saison. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à mettre le petit j'aime, le petit commentaire pour le référencement. Donc voilà, à très vite. Ciao.